Yo tout le monde, c'est Tiob, épisode 4. Donc, notre armée est finalement arrivée à Caralis. Et j'ai aussi, vous pouvez voir, une flotte en cours de préparation. Ouais, elle sera prête le tour prochain. Donc, allez, on va commencer notre traversée, hein, forcément, notre traversée de la mer. Va falloir. Pas trop choix. Voilà, j'ai une flotte complète. Donc, on va traverser la mer. Le but, ça doit être prendre toute la région carthaginoise et de goumer du carthaginois. Hein, forcément. Sinon, c'est pas drôle. Hop, petite machin, une population. La faction détruite. Ah, me lire pas, on va essayer de. Irpins, ce sont des une faction qui est apparaît de temps en temps avec une armée mais qui a pas de territoire en fait. Ils font plus chier qu'autre chose. On va leur envoyer des ingénieurs à Massalia. On n'a rien à construire de toute façon maintenant. Donc, quand même pas de soucis avec ça. Hein. Mais non. Oh, je l'avais pas vu lui. Bah attends, on va l'envoyer là. 18, 18. Un peu de chemin. On va à Utica. Voilà, on est moins 6. C'est pas mal. J'ai organisé un tournoi il n'y a pas longtemps. 3 tours avant d'en faire. Alors pour l'instant j'ai une flotte. Et vous le verrez, hein, elle va pas rester très très longtemps dans le sens où... Passer d'ouvriers, moins 10% de recherche pendant toute la région, c'est pas grave. Oui, donc du coup, je me referai une flotte, sachant qu'on aura le port carthaginois en fait, qui est totalement pété. Hein. C'est juste énorme les bonus qu'il apporte, c'est waouh. Vous verrez. Ouais, plus 10%. 50% de munitions. Ouf. Plus 10% de tir pour tous les archers. Oh la vache! Ah, les archers, là, déjà, qui sont blindés de blindax de munitions, là, putain, ils vont en avoir, je sais pas combien. Hop, y a-t-il quelqu'un ici? C'est le seul endroit où j'ai pas mis d'espion. Oui, oui, c'est pas malin, on est d'accord. Je pourrais presque même y envoyer cette deuxième armée. Ah! Bah, quand je vous en parlais, on va pas aller à Utica de suite. Voilà, il y a une armée qui est apparue là-bas. Hein. Je vais pas aller, vous savez, les fameuses armées. Qui débarque de n'importe où comme ça. Donc on va plutôt aller sur Carthage. Hein. C'est bien Carthage aussi. Non, c'est très bien Carthage. Ouais. On va faire descendre. Oula. Non. On va faire se développer un peu cette armée là. Hop, on va l'envoyer en recrutement ici. Que ça donne tout ça. En supérieur, lui on le fait recruter, voilà. J'ai des coursiers lourds nuragiques. Voilà, on va attendre un tour. On va commencer le blocus ou pas? Oh 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 oh, les unités d'éléphants et tout. Non, non, on commence un petit blocus tranquillou. Je sais pas si ça va tenir, mais. Au moins, on aura le mérite d'en avoir fait un. Voilà. Lapidaire, ouais, allez. Plus de revenus sur les industries, on a un tout petit peu, on a vu, on a des mines par exemple. Comment oh, tant qu'à faire. Et mortel, hop, c'est parti. Archer efficace. Voilà, il y a du péon quand même.
Et on va continuer notre siège. Hein. Les archers sont plutôt bons. Je fais une résolution automatique. 74. Allez, résolution automatique sera meilleure que moi là, dans ce cas-là. Voilà, ma flotte, même si elle avait perdu beaucoup d'unités, ça serait pas un problème. J'ai fait tomber la capitale carthaginoise, vous voyez, hein, le port de Carthago. Qui déverrouille des... juste... c'est juste absolument fou. Le recrutement qu'il veut faire, quoi, bataillon sacré, voilà, on peut faire des bataillons sacrés... voilà, sur bateau, quoi. Sur... combien ça peut être déjà? Sur Exer, la peu purée. Eh ben purée, je sais pas s'il en peut faire, ouais, voilà. Vous voyez le prix par contre, hein. C'est pas mon petit truc à 74 de maintenance, hein. C'est 276. Hein. Mais, bah ça vaut le coup, hein. C'est quoi en dire. Mais regardez même ça, ça coûte une blinde aussi, on est d'accord, oui. C'est extrêmement fort, en plus ils ont 160 par bateau. Voilà, donc typiquement... L'unité la moins forte que je vais avoir, c'est mon général. Voilà, qui est dit. Enfin, dans cette armée, pardon, c'est mon général, c'est mon amiral. Dans cette flotte, je vais y arriver. Hein. Enfin, dans cette flotte, mon unité la moins forte, c'est mon amiral. Mais... Un peu de charge, ouais, c'est bien tout ça, allez. Hein. Lui, là, il arrive, c'est mon entraîneur, hein, c'est... Putain, ça me fera toujours... Non, je refuse. On s'entend déjà pas très bien avec mes opposants politiques. Hein. On voit qu'on est à 2, c'est pas ouf. Donc on va se calmer. Hein. Je vais voir aussi ce que Carthage a conquis. Ouais. Moitié est conquis par Carthage. Donc on va y envoyer mon général. C'est un peu risqué ce que je fais. Hein. J'envoie une armée tranquille, pépère, hein, sans escorte. Dans la mer, on a déjà fait un peu, on a déjà fait plus intelligent comme comme déplacement. 3 tours avant reconstitution, c'est parti. Même pas peur. Au combat, ouais, c'est bon. Hop, on développe bien Carthage. On va y faire un petit bastion du chef. Plus de morale au recrutement et. Faire ça, je crois que je l'ai pas. Voilà. Alors, ouais, on va voir au niveau de l'avancée des objectifs. Rechercher la terre de Carthage, hôtel de Sardis, contrôler 3 provinces. Et ce sera la dernière province à contrôler. En fonction du prix que m'aura coûté ma flotte, enfin du prix de. D'entretien que me coûtera ma flotte, je vais monter une nouvelle armée. Que je vais poster à Utica en fait tout le temps. Pourquoi? Parce que là il y a, comme je vous disais tout à l'heure, une armée qui sort de temps en temps qui va attaquer Utica et ça a posé problème. Donc on lève une armée. On va taper l'héritage, les géants d'Osono là. On va faire des cavaliers sardes. Ils sont combien? 80, ok. Ouais, bon, on va prêter sur des. Ouais, c'est sur des bretteurs Chardan. Ouais, bretteurs Chardan. On va recruter ça et quelques archers, ça devrait être bon. On va pas non plus aller chercher midi à 14h. Ça peut être intéressant ça. Qu'est-ce que ça développe? Qu'est-ce que ça débloque ce niveau au-dessus? Ah bah non, mais j'y suis déjà, ouais non. C'est pas intéressant. Ouais, je vais récupérer cette ville et il y avait déjà ça. Eh ben dans ce cas, on va faire la forêt sarde.
Voilà, plus d'ordre public. Plus deux même. Plus de morale. Plus de dégâts. C'est le moment d'attaquer. Je sais pas s'ils sont... Ouais, mes troupes se sont bien remises. On va l'attaquer Utica qui a subi une attaque il n'y a pas longtemps. Ah! Je crois que je suis pas assez près, c'est bête. On va organiser un tournoi aussi, en tant qu'à faire. Petit doigt de l'été, c'est parfait, c'est ce qu'il me fallait. Tac, ça c'est bon, tac, ça c'est bon. Lui, on va commencer à l'emmener là-bas. Hop, 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 hop. Sors pas non plus. On fait un autre coursier. Ah oui, j'ai mon espion là-bas, je vais le zapper. J'ai un espion. Ah bah, il est arrivé aussi mon... Mon champion. Là, on voit qu'il a ramené... Il a essayé de monter une armée à la vite, hein, mais bon, ça servira pas à grand-chose. Voilà, résolution, mode défensif. On rase. Parce que bon, c'est pas notre culture, on n'aime pas... On fait les champs et un puits. Et on arrête pas mal. Toi, bien sûr, on va t'envoyer. À moitié. Et pas à moitié. On recrute. On va recruter quelques archers. On va en recruter 6 en tout. Mais ouais, là dans cette province, le recrutement c'est 3 par 3. Capital 6 par 6 ou 7 par 7, je sais plus. Ici 3 par 3. Bon bah c'est comme ça. Hop là, voilà, on est bien. On gagne toujours un peu d'argent, ouais. Je sais pas si on va en gagner encore longtemps. Ça devrait aller. Ça, ça va. Bien sûr, on va entraîner à fond nos troupes. Hein. Eux, je les ramène à Carthage. À Cartago. Tiens. Pas besoin. Attention. Alors. Ça tombe bien, ils ont bien fait d'arriver, eux. Voilà, bon, j'ai pas été très efficace, mais... mais ils ont bien fait d'arriver. Ouais, on va s'avancer jusque là. On va faire un fort, ça va augmenter notre... Ça va augmenter notre reconstitution. Ah, ouais. Effectivement, on va faire... Non, on va pas faire ça, un peu vite. On va faire un peu d'agriculture. Un enclos à chevaux ici hein, pour protéger toujours cette ville. Dix de loyauté. Bon, ils peuvent aller à Utica, hein, ça m'intéresse pas. Ils ont pas une force assez intéressante hein, pour débarquer et gagner une bataille. Hop. On augmente forcément toujours l'entraînement. On avance tranquillou bilou, on n'a pas besoin de se presser parce qu'on peut pas y arriver en un tour. On pille sur le passage. On y va tranquillement, efficacement, mais tranquillement. Comment puis-je vous aider? Les factions détruites. Isabelle. Ah non. Sicilien. Ouais, je préfère. Je me disais, faction d'Isabelle. Oui, je connais pas.
petite résolution. Putain, on voit, ils manquent de bouffe. Hein. Ils sont. Les pauvres, ils sont affamés de chez affamés. Oh là là. On répare tout ça. Enfin, on reconstruit tout ça, surtout. Hop. On va même aller un peu ici. On est pas mal. On va un peu augmenter le moral quand même hein, pour les premiers tours. Là, on voit quoi? On voit que. Ah, on a une petite armée là qui s'avance. Eux, ils sont en train de crever de faim. Eux, voilà, ils vont y aller tranquillement en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 tours. Ouais, ouais, il va y avoir le temps. Il va y avoir le temps. Voilà. Il est pas trop mal. Organiser un petit tournoi. Un tour. Enfin. On n'était pas loin. Moitié, pardon. On est arrivé dans l'éclat de Sardus. C'est quoi les nouveaux objectifs? Mission accomplie, ouais. Est-ce que je peux l'assassiner? Bon, pas de chance. Vous avez une relation commerciale avec 4 factions, pardon. On va s'essayer à ça, hein. On va aller voir Syracuse, en général ils sont pas très potes avec Carthage. Moi je peux pas. Ah oui. Ouais, ils sont même bien éparpillés Syracuse. Hein. Oh, on avait fait ça. Et hop, terrain d'élevage. Allez, on va partir là-dessus, ça fera de l'argent. Ah, il neige dans le nord. Par contre, il neige à Carthage, là, là ça devient problématique. Hein. Tac, on s'avance petit à petit, toujours en faisant attention de ne pas aller en mer profonde. Ce serait bête de perdre des hommes bêtement. Doublement bête, du coup. On va forcer un peu la... Non, c'est pas ça. On va forcer un peu la cadence. Parce que bon... C'est pas que ça met du temps, mais on sait jamais, tu vois, un petit débarquement surprise. Le Mos Eilis, ça peut faire mal. Voilà, un peu comme ça. Bon, on sait que c'est pas chez moi, mais... Voilà. Niveau nourriture, on devrait être pas mal pendant un moment. Les Corses, est-ce qu'ils veulent toujours pas devenir mes potes? Qui c'est ça? Ah bah eux ils sont contents, je regarde, je suis en garde contre un Syracuse. Sans nul doute. Hop. Inspiré par la sagesse et on va exiger un paiement quand même, hein. On va essayer de voir si ça passe pour un accord commercial. Non, bon. C'est un peu trop cher. Nous les... Puisse Athéna vous inonder de sagesse et inspirer votre éloquence afin de me persuader. Soyez le bienvenu. On peut essayer d'exiger un petit paiement. Ouais, ça passe. Vos mots. Eux, ils sont en guerre contre Syracuse. Oh, j'ai débloqué du monde, mais derrière la vache. Ah ouais, ça passe. D'accord, ça fait... Oh, mais ils nous aiment pas, bon, c'est pas grave, écoute. Rien à foutre, j'ai défoncé Carthage mais ils nous aiment pas. Ça. Affinité culturelle. Ah. Ah ouais. Ouais, donc on est en guerre hein, contre ces factions. Il y a que moi qui suis en guerre contre eux. Mais... Bon, je sais pas, on va essayer de faire du commerce, il nous faut, trouver un dernier. Soyez le bienvenu. Non bon bah, on déclarera la guerre à quelqu'un et puis. Ça rendra des gens contents et on fera du commerce avec eux. On peut chercher plus long. Vous êtes assez sage. Pas de mon agression, ça va. Ouais, toujours investir dans les produits de Massaïa. Hein.
bazar en entour. Hein. Voilà. Voilà, plus de diplomatie avec toutes les factions, ça c'est bien aussi. Hein. On va clairement profiter de ça. Alors, on passe ce tour. Et c'est ici qu'on va s'arrêter. Prochaine fois, hein, j'espère qu'on aura pris Motillé. Ça devrait aller. Et on va désinguer un peu les Carthaginois, hein? Moi, ce serait bien. Comment pouvez-je vous aider? Je sais pas ce que vous en dites, mais moi, je trouve que ce serait bien. Non? Allez, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve pour le prochain épisode. C'était Thiob. Ciao!